Bonjour, je suis Georgette Péniguel, présidente du Handisport Rennes Club, club affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Nous avons été lauréats des Trophées des clubs en 2024 dans la catégorie Intégration, Cohésion sociale et Solidarité pour notre projet Un regard pour deux. Ce projet est né de la rencontre des salariés des deux comités départementaux de randonnée et d'handisport. L'objectif, c'est de pouvoir, nous, déficients visuels, d'aller marcher. Donc avec les accompagnateurs, ça nous permet de sortir de Rennes, d'aller à la campagne, de prendre un bon bol d'air et de faire un peu de sport. Ce projet a réellement commencé en septembre 2021. Et suite à ce projet d'un trimestre qui s'est révélé très positif, nous avons mis cette section en marche. Ce sont des randonnées d'environ 10 km. Chaque personne déficiente visuelle a un accompagnateur qui nous guide, qui nous décrit ce qui se passe. C'est très convivial, on discute avec notre binôme, on apprend plein de choses, on apprend à se connaître. Ça nous fait beaucoup de bien. Sur le terrain, moi je suis la coordinatrice. J'ai une liste de bénévoles et une liste de déficients visuels. À chaque randonnée, je crée des binômes, je trouve un déficient, un accompagnateur, c'est impératif. Et voilà, ça s'organise très bien. Les retombées pour le club, bah évidemment, ça a été des licenciés en plus, mais pas seulement. Ça met de la visibilité sur ce qu'on fait. Ça peut encourager d'autres clubs à faire la même chose et c'est très bien. Pour Handisport, oui, bien sûr que cette activité va continuer. Le développement, ça pourrait être une sortie de plus par mois, mais il faut de l'accompagnement, il faut des bénévoles pour s'en occuper. Il y a une chaleur humaine entre les déficients visuels, les accompagnateurs, quelque chose qui se crée, un lien. Et si vous saviez le bonheur que ça apporte, autant de leur côté que du nôtre, il n'y a pas photo, il faut faire la randonnée.